Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode en solo. Je suis ravie de vous retrouver. D'abord, je vais en profiter pour vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos partages, parce que le podcast est en train d'atteindre les 50 000 écoutes, alors que je l'ai commencé il y a à peine 10 mois. Je suis vraiment très contente de cette belle visibilité et de tous les repartages, parce que, en général, ce qui me revient, c'est que ça a touché votre cœur et que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas la seule, le seul à penser comme ça. Et ça vous rassure et ça vous donne envie d'avancer, ça vous donne envie d'aller de l'avant avec votre cœur, et c'est l'objectif. Donc merci beaucoup d'être là, fidèle à l'écoute, et on va continuer. J'ai encore quelques épisodes en solo à vous partager, et puis ensuite il y aura une petite pause et je reviendrai l'année prochaine avec de nouveaux épisodes, avec des nouveaux invités et quelque part une nouvelle saison en fait. Voilà. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de comment je m'organise. Alors j'ai eu beaucoup de questions sur l'organisation, j'ai eu beaucoup de gens aussi qui m'ont dit « Ah là là, t'es impressionnante avec tout ce que tu fais !» Et puis des gens qui me disent qu'ils ont du mal à s'organiser et à garder une forme de discipline dans leur vie pour pouvoir continuer de créer leurs activités, mais aussi avoir un équilibre de vie. Donc je vais partager un petit peu comment moi je vis au quotidien. Chacun, chacune a bien sûr une organisation différente. Moi aussi je trouve que je suis très connectée à ma vision. Et j'ai un fort masculin qui me permet d'accomplir des choses. Je me sens guidée et j'ai de la discipline, c'est plutôt naturel chez moi. Mais je ne suis pas très organisée dans le sens les choses au carré. J'ai aussi l'impression que je me mets au service de mon message en fait, et je me mets au service de la vie assez facilement, en enlevant les cailloux, les pierres sur le chemin, pour pouvoir accomplir des choses. Je sens que pour d'autres personnes, il faudra plus de cadre. Quand je vois, par exemple, mon compagnon Christian, s'il n'a pas de cadre, s'il ne commence pas sa journée du bon pied, avec son cadre, avec tout ce qu'il aime faire dans l'ordre, etc., eh ben, il est sans dessus-dessous, puis finalement, la journée ne se passe pas très bien. Moi, je n'ai pas vraiment besoin de ça, mais c'est parce que j'ai compris mon tempérament et comment je fonctionne. Et je pense que le plus important, c'est d'apprendre comment on fonctionne et se respecter. Je sens aussi qu'il y a quelque chose d'essentiel pour moi, c'est une forme de leadership de ma vie, d'avoir une vision et puis de donner vie à la vision et d'être capable de faire des choix au quotidien sans me laisser assaillir par un million de doutes. Et voilà, me dire que de toute façon, je ne ferai pas de mauvais choix, je pourrai toujours réorienter plus tard et je pourrai toujours changer d'avis. Donc ça, c'est vraiment les choses importantes que je voulais vous partager en préambule. Alors, on y va pour mon organisation. Donc, le matin, je me lève quand j'ai envie de me lever. Je me lève sans réveil. Le sommeil, pour moi, c'est sacré. Donc, j'ai souffert d'insomnie pendant longtemps. C'est réglé. Mais je sens qu'il y a encore quelque chose en moi où je me dis « Oh là là, mais l'angoisse, si je dois me lever le matin de bonne heure alors que je n'ai pas forcément très bien dormi ou que j'aurais souhaité rester au lit plus longtemps. » J'aime avoir le choix et j'aime me lever quand c'est juste pour moi. Donc je ne crois pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je crois que l'avenir appartient à ceux qui ont envie de se lever et qui sont contents de se lever. Donc je respecte ça pour moi. Je fixe donc rarement des rendez-vous tôt le matin, sauf si je n'ai pas le choix. J'aime bien commencer à avoir des rendez-vous à 10h ou 11h, ou midi. 11h, c'est l'idéal. Aujourd'hui, j'ai un gros décalage avec la France, un des gros décalages horaires, parce que j'ai 7 heures de moins. Ce qui veut dire que finalement, je ne peux prendre des rendez-vous avec les gens que pour vous, en France, à partir de la fin de l'après-midi. Mais c'est pas grave, on s'arrange, il y a toujours des solutions, on trouve toujours un moyen de se rencontrer. Donc je me réveille le plus souvent entre 7h et 8h, naturellement. C'est facile pour moi aussi de m'organiser. Je réalise que je dis ça, je suis sans enfant.
avec un compagnon qui me laisse dormir le matin. Donc je sais que c'est pas la même chose pour les gens qui ont des enfants qui m'écoutent, mais j'ai fait le choix de faire cette vie sans enfants et qui me donne une grande liberté. Le matin, mon compagnon se lève plus tôt que moi et puis il a toute une routine où il fait du yoga, il lit, il va chercher un café, se promener près de la mer, etc. Et en général, il revient avant que je me réveille et il vient me faire un câlin avant que je me lève. Quand on était à Berlin, on avait la même routine, mais il m'apportait un thé au lit. Et maintenant, il m'apporte une noix de coco fraîche qu'il a ouverte ici pour moi depuis qu'on habite au Costa Rica. Ce temps le matin, pour moi, il est non négociable. C'est très important, donc je prends le temps. Je traîne au lit, j'aime bien traîner au lit. J'aime bien voir si j'ai rêvé et qu'il y a des messages importants qui me sont arrivés la nuit et que j'ai envie de digérer, de prendre le temps d'écrire ou tout simplement de refléter ce qui s'est passé la nuit pour moi. Je prends le temps aussi de voir mon humeur et de la switcher si je suis de mauvais poil. Donc comment je fais ça ? J'invite la gratitude avec plusieurs choses. Voilà, j'ai de la gratitude d'être en bonne santé, j'ai de la gratitude de voir quelque chose à travers la fenêtre, j'ai de la gratitude pour les projets qui m'attendent, gratitude pour ci, gratitude pour ça, pour la noix de coco que Christian vient de m'apporter, les câlins. J'invite tout ça pour faire le choix conscient de démarrer ma journée du bon pied et je pose une intention pour la journée. Par exemple, aujourd'hui, c'était du fun et de l'efficacité. Voilà. Je regarde en général mes messages assez tôt le matin, donc après avoir fait tout ça, je regarde mes messages pour voir s'il y a des choses urgentes. Parce que comme je travaille avec plusieurs personnes au quotidien, s'ils attendent que moi je sois prête, c'est-à-dire 11h midi pour leur répondre, eux, en général, ils sont à la bourre sur ce qu'ils ont à faire. Donc si on veut être efficace, je réponds aux choses qui sont les plus importantes et ensuite j'enfile mon bikini. Et je me prépare pour passer le début de ma journée à la plage. Avant de partir, je bois un grand verre d'eau et je prends quelques compléments alimentaires. Je prends en ce moment des probiotiques et de la chlorophylle et aussi des choses pour réguler mon humeur parce que j'avais remarqué quand même que je traversais une phase de réajustement qui n'était pas évidente. Donc je prends des plantes adaptogènes et d'autres trucs que j'ai trouvés par ici. Voilà. Je me souviens, il y a un certain temps de ça, je ne savais pas trop quoi faire de mes journées et aujourd'hui, je me rends compte que tout est fluide. Je sais ce que je dois faire, quand je dois le faire. J'écoute la vie en moi et je me mets au service de la vie qui veut circuler en moi, même si mon mental n'est pas toujours d'accord avec ça. Et je dirais que mon plus grand travail aujourd'hui, c'est de réussir à maintenir un grand équilibre de vie pour pouvoir accomplir tout ce que la vie me propose. Donc, je démarre mes journées avec une longue marche à la plage. J'essaye de faire 10 000 pas par jour à la plage, pieds nus, sur le sable, sur les cailloux, aller me baigner dans l'eau. Vraiment, je profite de ce temps qui est un temps pour moi de contemplation, de méditation. J'observe les oiseaux, les papillons, l'eau qui coule. Je bronze, je me nourris du soleil. J'en profite aussi donc forcément pour transpirer. Je tapote aussi dans l'eau en EFT. Qu'est-ce que je fais d'autre le matin ? Je ramasse les plastiques sur la plage. J'admire les pierres qui sont sur la terre, sur la plage. Ici, il y a beaucoup de choses qui sont... je pense qu'il y a du quartz, en fait, dans le sol. Donc, je me nourris consciemment de tout ça. J'en profite aussi pour refléter sur les signes de la vie que la vie m'envoie tous les jours. Et donc, ça, c'est vraiment un temps où voilà, j'aime bien faire ça le matin. Et puis je fais des shifts énergétiques. Donc je me recharge par le sol, par le soleil. Je fais le choix de me remplir de mon énergie propre et de rayonner de mon énergie propre. C'est vraiment un moment où je me recentre sur moi. Et aussi où j'invite une forme de nourriture spirituelle dans mes oreilles. Donc je peux mettre un audiobook inspirant ou écouter des podcasts ou j'ai pris la version YouTube payante, donc je peux downloader des vidéos YouTube sur mon téléphone et les écouter en marchant parce qu'il n'y a pas de réseau. Et donc j'écoute Laurie Ladd, Feel Good, des personnes qui m'inspirent, Gigi Young,
d'autres personnes, parfois des oracles ou des astrologues, des choses comme ça. J'aime beaucoup faire ça le matin. Et je goûte la solitude aussi, j'aime bien être seule. Donc j'aimerais pas faire cette balade avec quelqu'un le matin, j'aime bien la faire seule. Ensuite, je rentre à la maison et puis je prends une petite douche et puis je me mets au travail très vite. En général, j'ai très envie de travailler parce qu'il y a des idées qui me sont venues. Et aussi, quand je marche, j'ai toujours un carnet. Et donc, il n'est pas rare que je sorte mon carnet sur la plage. Et donc, je marche et j'écris en même temps les choses qui me viennent. Et quand j'arrive au boulot, on peut dire ça, quand je suis douchée, préparée, je travaille en fait avec les choses qui me sont venues. Alors en général, entre 10h, 11h et 14h30 à peu près, j'ai des rendez-vous. Donc j'ai des rendez-vous d'équipe, j'ai des réunions, je fais des rencontres, j'enseigne ou je fais des lives. Ou voilà, j'ai des choses qui sont en relation avec les autres. Ou j'enregistre des podcasts ou des choses comme ça. En général, je grignote aussi quelque chose. Ça peut être des fruits ou quelque chose d'un peu rapide, des oléagineux. Je ne bois pas de café, je ne bois pas de thé non plus, donc je bois de l'eau, je bois du kombucha, je bois des jus. En général, donc pour moi c'est mieux, pour moi c'est une évidence en fait, parce que j'ai jamais bu de café de ma vie, mais je pense que c'est génial parce que ça maintient chez moi une énergie stable, alors qu'en général quand on prend du café, si vous connaissez un peu la santé naturelle, vous le savez, ça crée un boost d'énergie, mais en réalité après ça créera une chute d'énergie et il y aura une fatigue. Un contre-coup. Et moi, j'ai rarement de contre-coup, en fait. J'ai en général une énergie qui est assez stable, ce qui est assez agréable. Donc, pendant ces premières heures, c'est souvent des réunions que j'ai à faire avec les gens. Et puis après, je passe à tout le travail que moi, j'appelle le travail de l'ombre, la création, créer des programmes, créer des projets, écrire des choses, tout ce qui est administratif, tout ce qui est organisationnel. J'estime que je travaille à peu près 6 heures par jour. Et je travaille 5 à 6 jours par semaine. Voilà, c'est un rythme qui me convient bien pour l'instant. J'en parlerai tout à l'heure, mais j'aspire à travailler moins d'heures. Sinon, je fais des pauses quand j'ai envie, en fait, pour faire une balade ou pour manger. Je mange quand j'ai faim. En général, je fais 2 repas par jour, parfois des snacks, simplement des snacks, comme ça, en travaillant. J'ai une alimentation plutôt intuitive, bio et saine, et vraiment hyper simple. C'est des salades, un bout de pain, des œufs, du houmous, des fruits, des choses comme ça, des choses qui se digèrent assez facilement, avec pas trop de mélange et de la simplicité, de la facilité. Je ne suis pas une grande cuisinière et ça me va bien. Mes journées se terminent en général vers 18h. Alors ici au Costa Rica, il fait noir à 18h toute l'année. Toute l'année, donc c'est le même rythme. C'est tôt pour moi, quelque part, parce que je suis plutôt du soir. J'aime bien travailler le soir, je suis plutôt active le soir. Mais comme j'ai envie de passer du temps avec Christian, mon compagnon, la soirée, c'est sacré. Donc j'essaye de terminer le travail pour 18h environ. Et donc comme ça, on peut préparer à manger ensemble, dîner ensemble, peut-être regarder un film ou faire quelque chose ensemble qui fait que la soirée se termine tôt et on se couche tôt. En général autour de 21h. Donc je passe beaucoup de temps au lit. Si vous comptez entre 21h et 7h le matin ou 8h, je passe beaucoup de temps au lit, beaucoup plus que quand on vivait à Berlin où je dormais, je pense, facilement 2 heures de moins par nuit. Parfois, je déroge à cette organisation et il arrive qu'on aille déjeuner dehors avec mon compagnon si on est tous les deux disponibles et qu'on n'a pas de rendez-vous. En général, si on fait un déjeuner dehors, il est plutôt dans l'après-midi et on va plus manger. Et en général, du coup, on ne va pas dîner. On va juste snacker le soir. Je travaille de façon assez efficace. Je trouve que je travaille beaucoup. C'est-à-dire en termes de choses que j'ai à faire dans la journée, il y a beaucoup de choses sur ma to-do list. Mais c'est assez fluide et aussi je trouve que je me suis vachement améliorée sur certaines choses comme dire non à des projets ou à des choses qu'on me propose de faire pour pouvoir me libérer du temps et faire ce qui est vraiment essentiel. Ce que j'ai amélioré aussi au fil des années, c'est que maintenant j'ai une équipe. Donc j'ai notamment Geneviève qui est une perle, Geneviève qui travaille avec moi depuis maintenant un peu plus de 6 mois.
Et elle travaille avec moi 3 heures par jour quand même pour m'aider sur la relation client, l'administratif, la gestion, l'organisation, toute la coordination en fait du travail qu'il y a à faire dans l'ombre. Et ça me soulage énormément et ça me permet aussi d'être beaucoup plus dans l'anticipation. J'ai aussi Margot qui m'aide sur le social media, alors pas sur mon compte perso, Anne-Claire Mérez sur Instagram, mais elle gère le compte Live from the Heart Coaching. Elle m'aide aussi à basculer les lives que je fais sur Instagram, elle les met sur YouTube, des choses comme ça qui sont des trucs qui me prenaient énormément de temps et que maintenant elle gère pour moi et ça c'est génial. J'ai aussi dans mon équipe Julia Bourret qui fait des appels de closing. Alors ça, c'est pas toute l'année, c'est juste quand je fais quelques lancements par-ci, par-là. Et donc, elle va faire les appels individuels pour tout ce qui est programme et formation de groupe où finalement, c'est pas justifié pour moi de faire des appels individuels pour une aventure qui va se passer en groupe. Et donc, c'est Julia qui s'occupe des appels individuels et elle est géniale. Et pour moi, en termes de temps, aujourd'hui, là où j'en suis rendue dans mon développement, je ne pourrais pas me permettre d'utiliser mon temps pour faire plein d'appels individuels. Je préfère réserver mon temps à la création de nouveaux projets. Dans mon équipe, il y a aussi Gabriel qui me rejoint prochainement en qualité de directeur administratif et financier. C'est une grande étape pour moi parce que j'ai gagné beaucoup d'argent cette année. Et voilà, il faut que j'apprenne à gagner de l'argent avec l'argent, à optimiser les rentrées et les sorties d'argent. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je tiens à me faire aider pour gagner du temps et de l'énergie aussi. Avec le temps, je sais mieux ce qui marche et ce qui ne marche pas dans mon énergie et aussi dans mon entreprise en termes d'organisation. Je suis entrepreneur depuis 2012 et j'ai raté les deux premières aventures entrepreneuriales. Je me suis bien plantée pour après mieux pouvoir pousser. Et au fil du temps, je comprends en fait comment je fonctionne et des choses qui marchent mieux pour moi. Et donc, c'est vraiment un travail d'affinage, je dirais, avec le temps. J'aime quand tout s'aligne. J'apprends aussi à faire confiance à la vie et à éviter d'être dans trop de perfectionnisme. Et il y a beaucoup de choses finalement qui se passent très bien, même si je laisse faire, même si je laisse les autres décider ou laisse les autres faire, etc. Et donc j'apprends aussi à être dans une forme de flow avec la vie et avec les autres quand je travaille en équipe pour pas avoir à absolument tout regarder dans le moindre détail et à lâcher prise en fait. Ça, c'est vraiment le côté féminin que j'invite de plus en plus dans mon entreprise, qui, je pense, a eu une forte dominante masculine dans le faire, contrôler, organiser. Et petit à petit, il y a de plus en plus de féminin. Je pense que j'ai cette chance que j'ai un féminin qui est assez fort, malgré la présence du masculin. Et donc, j'ai quand même toujours eu un relatif équilibre qui m'a permis de garder une harmonie. Mais je pense que si je veux durer dans le temps et aussi m'expandre, être plus en expansion, c'est vraiment avec le féminin que je vais y arriver de plus en plus parce que le masculin est assez naturel pour moi. En termes d'outils que nous utilisons avec mon équipe, on utilise Notion pour pouvoir travailler en équipe. Notion, ça permet de mettre des tâches attribuées à chacun, chacune, et il y a des notifications après qui sont renvoyées avec des dates butoirs, etc. Donc ça me rappelle que je dois aller vérifier ça, préparer ci, pour un tel, pour une telle, et ça permet que chacun puisse faire son travail dans les temps, et que ce soit, qu'il y ait un flow. Je fais en général une réunion par semaine avec Geneviève, et il y a rarement des choses qui ne peuvent pas attendre, en fait. Donc, c'est, en général, je lui dis presque tout une fois par semaine. Et après, sinon, pour les choses plus urgentes, on communique par WhatsApp. Et pour partager les documents, les dossiers, etc., on utilise Google Drive. Pour moi, je fais des to-do list dans des mémos. Alors, il faut savoir que dans le passé, j'étais une grande amoureuse des to-do list. Et puis, j'ai eu une coach il y a quelques années qui m'a dit « Anne-Claire, est-ce que tu peux lâcher tes listes et te rendre compte que ta vie ne va pas s'effondrer et que tout va bien se passer ?» Et en fait, c'était vraiment une très belle chose qu'elle me le dise à ce moment-là parce que je pense que j'existais à travers mes listes. Et je me racontais des histoires avec mes listes, etc. Et il a fallu que je retrouve un équilibre.
Soyons clairs, je ne suis pas chirurgienne. Si je n'ai pas fait les choses dans la journée, personne ne va mourir. Rien ne va s'effondrer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû intégrer au fil des années. Et donc, je me fais des listes de choses que je veux manifester dans la journée. C'est plutôt comme ça que je le formule maintenant. D'ailleurs, au début de ma liste, j'ai écrit « tout manifeste » et pas « tout doux ». Donc, à créer, à manifester, à mettre dans la matière. Et donc, je mets des choses sur la liste que je veux mettre dans la matière. Et si ce n'est pas fait dans la journée, ben, ce n'est pas grave. Ce sera fait le lendemain ou ce sera fait le surlendemain. Et j'essaye de garder mon cap comme ça, mais sans me mettre un stress outre mesure. En termes d'outils, parce que je sais que ça intéressait aussi des gens, j'utilise Kajabi, j'utilise Podia pour diffuser les contenus que je propose. J'utilise aussi YouTube pour des contenus gratuits. Après, pour toute l'organisation des paiements, etc., j'utilise Thrivecart pour les paniers d'achat et après Stripe pour les encaissements. Et très rarement, mais ça arrive aussi, on accepte les virements bancaires pour les personnes qui n'arrivent pas à passer leur carte bancaire. Et dans ces cas-là, ça nécessite du travail manuel. Après, c'est Geneviève qui doit faire tout le suivi quand quelqu'un a payé par virement, etc. Donc ça prend plus de temps et plus d'organisation pour ce genre de choses. Heureusement, j'ai de l'aide parce que sinon, je ne pourrais pas gérer tout ça tout seul aujourd'hui avec le volume de clients que j'ai, d'étudiants que j'ai. Il faut qu'on ait des process. Sinon, j'ai aussi un cabinet comptable qui s'occupe des déclarations annuelles que j'ai pris lors de la création de mon entreprise. Voilà, donc il s'occupe une fois par an de la déclaration annuelle. Sinon, je suis en charge de quoi, du coup, dans mon entreprise ? Je suis en charge du coaching individuel. Donc, j'en ai fait là toute une partie de 2021, toute la première partie de l'année, les 6 premiers mois. Ensuite, je me suis dédiée à l'enseignement. Donc, j'ai fait pour la première fois ma formation Coach from the Heart. Et ensuite, j'ai choisi de faire de la place pour mon déménagement, ma relocalisation au Costa Rica, et pour le programme Make Money from the Heart qui est sorti à l'automne. Je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre les coachings individuels parce que j'ai à cœur de le faire dans un espace où je serai vraiment bien installée parce que ça prend plus de temps en termes de rendez-vous dans mon agenda et je veux être sûre de pouvoir délivrer vraiment une présence d'une grande qualité. Et aujourd'hui, j'ai encore pas mal de choses à gérer dans les habitations dans lesquelles j'arrive et je ne reprendrai l'individuel que quand je serai certaine que c'est OK. Donc par contre, je continue l'enseignement donc avec Coach from the Heart qui revient en janvier. Donc là, ça me prend quoi comme travail ? C'est écrire les cours. Donc là, ça va être réécrire les cours pour la prochaine rentrée parce que les étudiantes avaient posé un certain nombre de questions à la fin des classes de chacun des cours lors de la première saison. Et donc, je reprends toutes les questions qui avaient été posées pour pouvoir enrichir les cours et anticiper les questions qui pourront être posées la prochaine fois. En ce moment, j'ai aussi toutes les corrections des examens de la première saison de Coach from the Heart à faire. Sinon, dans l'enseignement, après, quand je vais reprendre, je ne serai pas toute seule. J'ai aussi une team de personnes que j'ai coachées en individuel et qui sont déjà des accompagnantes qui vont m'aider à être là pour pouvoir soutenir les étudiantes dans leur apprentissage. C'est-à-dire en termes de présence dans le groupe sur Facebook, de présence aussi avec moi dans les classes pour rater aucune question, etc. Donc, je suis bien entourée. Ensuite, en termes de travail, j'ai du travail de création de mes programmes. Donc là, la création pour moi, elle arrive un peu tout le temps. Le matin, quand je suis à la plage, j'ai des idées. Au fil de la journée, j'ai des idées. Pour moi, il faut choper le génie des idées quand il nous rend visite. Et donc, j'ai des mémos un peu partout. Donc, c'est bien classé dans des Google Drive et parfois sur des post-it ou sur des bouts de papier ou dans des carnets. Mais en général, je sais où les retrouver. Et je crée en fait toute l'année des choses auxquelles je vais donner vie. Par exemple, sur mon projet Make Money from the Heart, c'est un processus de création qui a duré environ une année. Et j'avais des notes dans tous les sens. Donc je savais que j'allais donner vie à un programme. Je ne savais pas sous quelle forme, je ne savais pas quand. Mais il y avait des notes qui étaient déjà là. Le programme était déjà quelque part vivant, vibrant en moi. Ce n'est pas comme si je me posais et que je me disais « Voilà, j'ai une semaine pour accoucher d'un programme et je vais tout écrire. » Non, ça c'est quelque chose que je fais plutôt dans la dernière phase. Avant de lancer un programme, je me pose, je reprends toutes mes notes, je les organise et je crée
une suite logique en fait dans le déroulement du programme ou de la formation que je vais créer, mais c'est en général le processus, c'est le résultat d'un travail de plusieurs mois ou plusieurs années de notes que j'ai prises quelque part. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon quotidien ? J'ai des podcasts. Donc, les podcasts, c'est moi qui prends contact avec mes invités. C'est moi qui note, en fait, qui prépare les questions, qui enregistre, etc. Donc là, il n'y a personne qui m'aide. Par contre, pour le montage, je me fais aider. Donc, c'est Geneviève qui arrive à la rescousse et qui fait le montage de l'intro et de la musique de sortie pour les podcasts pour que je puisse, après, appuyer sur « Envoyer ». C'est elle qui les rentre sur Encore et sur YouTube, mais c'est moi qui écris la description. Voilà, parce que c'est moi qui ai vécu l'expérience d'échanger avec mon invité. C'est aussi moi qui choisis l'extrait que je partage sur les réseaux sociaux, etc. Ça me demande quand même pas mal de temps, cette partie-là. Ensuite, je m'occupe aussi de l'animation de mes groupes. Donc, j'ai pas mal de groupes Facebook parce que j'ai créé pas mal de formations et de programmes ces dernières années. Donc, c'est aller regarder de temps en temps les notifications, répondre, relancer, écrire quelque chose dans les groupes. Je ne suis pas toujours toute seule dans les groupes, donc heureusement. Donc, notamment dans les derniers groupes, Make Money from the Heart et aussi Coach from the Heart et tout ça, j'ai invité des personnes à suivre les programmes et elles sont là à mes côtés. En général, c'est des personnes que j'ai coachées et en qui j'ai confiance et elles sont là à mes côtés pour répondre aux besoins des personnes qui sont dans les groupes. Ensuite, les médias sociaux. Poster, ça ne me prend pas beaucoup de temps, en fait. C'est souvent un truc, une idée qui me vient, et puis je vais écrire, ça va me prendre quelques minutes. J'ai des banques d'images, de photos que j'ai prises de moi, en fait, grâce à des photographes. Donc ça, j'ai pas mal de dossiers d'images. C'est assez facile, ça va assez vite. Et j'ai aussi des images que j'ai sauvegardées par catégorie. Donc je peux utiliser facilement des illustrations que j'ai choisies déjà à l'avance. Ça, c'est pas quelque chose qui pour moi est chronophage, posté sur les réseaux sociaux. Je pense que ça l'était au début parce que j'avais très peur d'être jugée. Et donc ça me prenait beaucoup d'énergie parce que je devais peser tous mes mots. Et aujourd'hui, je trouve que ça va beaucoup mieux. En fait, je poste, c'est fluide, je canalise une idée et puis hop, elle est sortie et je poste. En revanche, ce qui me prend beaucoup de temps sur les médias sociaux, c'est de répondre aux messages privés. Donc j'ai beaucoup de notifications parce que les gens m'envoient des messages et parce qu'ils repostent des choses. Donc c'est super parce que la viralité fonctionne très bien. Mais en même temps, pour moi, ça me fait beaucoup de notifications, beaucoup de distractions. Donc sur mon téléphone, j'ai coupé toutes les notifications et c'est moi qui y vais de temps en temps dans la journée. Voilà, sinon j'ai noté que c'est encore moi qui écris mes newsletters et qui les envoie. Je pense que ça changera à l'avenir et que peut-être j'aurai quelqu'un qui fera pour moi du copywriting, c'est-à-dire qui écrira en mon nom, avec mon ton, etc. et que je relirai tout simplement et que la personne postera. Ça, c'est quelque chose que j'invite pour le futur. Et je suis aussi en charge de créer, voilà, donc de créer des nouvelles choses. J'ai très envie, en fait, de créer. Je suis la visionnaire de l'entreprise et la créatrice. Mon travail en ce moment, c'est vraiment de rester dans cet espace de visionnaire et de continuer d'aller de l'avant pour pouvoir donner vie au prochain projet auquel j'ai envie de donner vie. Donc, pour pouvoir faire de la place, avec mon équipe, on met en place des process qui vont nous aider à faire gagner du temps par la suite. C'est possible de faire ça quand ça fait plusieurs fois qu'on lance la même chose. Donc là, par exemple, on va relancer Coach from the Heart. On ne va pas réinventer la poudre, en fait. On refait la même chose que la dernière fois, en mieux. Donc, on peut avoir un calendrier de procédures. Tiens, là, il faut qu'on envoie tel email, telle chose, etc. Et ça évite que ça nous occupe trop la tête parce qu'en fait, on l'a déjà fait et on sait quand est-ce qu'il faut le refaire. Donc, en mettant en place des calendriers de procédures, je vais gagner du temps pour pouvoir me libérer de la place pour créer encore plus l'année prochaine. Voilà, sinon qu'est-ce que j'ai d'autre ? Parfois j'ai des événements, donc des événements en ligne, des masterclass, des lives, des choses comme ça. Et puis des événements en physique, comme à la fin du mois j'ai un cercle de pardon ici au Costa Rica. Donc
quand j'ai des événements, en général, j'essaye de faire de la place pour que ma journée, elle soit plus libre, en fait, que j'arrive et que je sois avec une présence qui soit pleine et entière et pas glisser comme ça, squeezer entre deux réunions. J'aime bien être tranquille. Surtout que, bah forcément, quand j'ai des événements, je suis un peu en représentation. Donc, en général, je me lave les cheveux, je ne suis pas en bikini. Vous voyez, donc je me prépare pour ça. Et j'aime bien que les journées soient donc un peu plus souples. J'ai réduit aussi récemment le nombre de collaborations que j'ai dans ma vie parce que je collaborais énormément. Donc, je travaille avec Julia Espérance sur tous les projets d'école, ateliers d'école et programmes d'école. Je travaillais avant avec Cairo et son équipe Selfcraft pour enseigner Creator Coaching. J'avais aussi Power School, etc. Et d'avoir autant de collaborations, ça faisait beaucoup de coordination de travail, beaucoup de réunions, etc. Beaucoup de choix à faire tous ensemble. Et le fait d'avoir moins de collaborations, d'avoir gardé seulement Julia Espérance avec tous les projets d'école, ça me fait du bien parce que ça a simplifié ma vie, en fait. J'avais besoin de cette simplification. J'avais senti que j'arrivais à un moment où j'étais trop dispersée, où il y avait trop de choses. Donc ça a rassemblé. Et c'est super. J'ajoute également que je ne suis pas la reine de l'organisation en termes de lieu de travail. J'aime beaucoup avoir un espace à moi parce que j'aime m'étaler, j'aime avoir du bazar, etc. Ce que je n'ai pas actuellement dans le logement que nous avons en ce moment, mais que j'aurai à partir de janvier, février, mars, etc. Donc ça va être super. J'aime m'étaler, j'aime ne pas ranger, j'aime le chaos créatif. Je suis très à l'aise avec tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour dire aussi qu'en termes de ménage, je m'en tiens au strict minimum, c'est-à-dire la vaisselle, le linge, tout ça, je m'en occupe. Et sinon, on a quelqu'un qui vient faire le ménage, une ou plusieurs fois par semaine, ça dépend des logements qu'on prend. Et ça, c'est vraiment un soulagement pour moi. Et c'est génial, en fait. Depuis que j'ai choisi de déléguer ça, eh ben, ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner de l'énergie et finalement, ça me fait gagner de l'argent. Donc, je suis vraiment contente de le faire aussi. En réalité, ce qui me prend le plus de temps dans ma journée, c'est ce que j'appellerais le travail intérieur. Parce que depuis une dizaine d'années, depuis 2012, d'ailleurs c'est une date je pense où beaucoup de gens se sont réveillés, premier niveau d'éveil, je questionne beaucoup ma réalité, je questionne beaucoup mes pensées, je travaille beaucoup à recalibrer mes croyances au quotidien et aussi à... je dirais à harmoniser mon système nerveux pour être dans un espace de calme et opérer depuis l'espace du cœur. Je pense que c'est hyper important, surtout en ce moment, parce qu'on traverse des périodes hyper challengeantes au niveau mondial. Et j'ai conscience de tout ça. Et c'est une attention de tous les instants. Donc ça passe par tout simplement contempler mes pensées, utiliser les retournements, notamment avec The Work de Byron Katie. C'est faire du journaling, noter mes pensées, choisir de revenir dans un espace de pleine puissance, etc. Et ça, ça me prend quand même pas mal de temps, même si c'est pas du temps où je me pose dans mon travail. En fait, je le fais en même temps que je fais tout le reste quelque part. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous qui m'écoutez. Pour moi, c'est assez clair parce que c'est devenu une évidence de le faire au quotidien tout le temps. Mais ça, je pense que ça prend pas mal de temps dans une journée. À côté de ça, j'ai aussi beaucoup de rendez-vous perso. Donc, toutes les deux semaines, j'ai un rendez-vous mastermind avec Regan Hillier, qui est ma coach en groupe depuis bientôt une année. Et j'ai des échanges avec elle depuis ce mois-ci parce que j'ai augmenté au niveau Platinum son mastermind, donc des échanges avec elle en vocal. Je fais aussi des rendez-vous de coaching individuel mensuel avec quelqu'un de son équipe. Moi, j'ai créé de mon côté un mastermind avec Aurore Rosello, Julia Simon et Lucille Faux et on se voit une fois par mois. Pour parler de notre évolution professionnelle. C'était un mastermind à viser plutôt pro et finance et succès, et expansion et tout ça. Je fais partie aussi d'un programme de groupe là, sur 12 semaines en ce moment qui a débuté il y a 3 semaines à peu près avec Sarah Armide
Et c'est autour du féminin sacré, de la puissance du féminin, des enseignements de Marie-Madeleine et de Jésus et de choses comme ça. Donc, j'ai fait de la place pour ça chaque mercredi soir. J'ai aussi des soins énergétiques pour moi. Donc, je dirais peut-être un ou deux par mois. J'ai des rendez-vous en thérapie, là plutôt tous les deux mois, en entretien. J'ai très envie de faire le voyage niveau 3 avec Caroline Marie-Jeanne. C'est de l'hypnose régressive. J'ai fait cet été le voyage numéro 1 et 2 et j'ai très hâte qu'elle ouvre les portes du numéro 3 pour continuer à faire des séances en hypnose régressive. Et puis, quand je peux, je me fais masser. Donc tout ça, ça rentre dans mon agenda aussi. Et c'est pas négligeable parce que ça prend aussi un certain temps. Mais je pense que c'est grâce à tout ce que j'ai mis en place que j'ai pu aussi avoir cette expansion assez extraordinaire ces dernières années, parce que je ne suis pas vraiment tournée vers le faire, mais beaucoup plus vers l'être. Et donc pour pouvoir développer mes qualités d'être, pour pouvoir développer débloquer mes limitations, je dois m'en occuper. Et donc ça ne va pas se faire tout seul, donc je m'en occupe au quotidien. Et c'est essentiel pour moi. Je fais aussi des formations qui me nourrissent. Donc là, je commence aujourd'hui une formation de permaculture en ligne qui s'appelle Ecoversity. Je viens de terminer une formation qui s'appelle Abundancia avec Sorel Amore. C'est une formation sur la souveraineté financière. Ensuite, dans le futur, j'aimerais beaucoup apprendre des enseignements d'anthroposophie, tout ce qui est travail de Rudolf Steiner, des choses comme ça, et aussi avancer, développer mes dons de guérison. Voilà, je sens que j'ai des aptitudes que je ne les ai pas développées parce qu'il faudrait que je fasse plus de place, plus de pratique. Et j'avais commencé des formations en chamanisme, j'avais fait tous les prérequis pour faire la FSS, Foundation for Shamanic Studies, et puis finalement, je ne peux pas retourner à Bali, ça a coupé dans mon élan en fait, mais je voulais faire les 3 ans d'enseignement. Et voilà, on verra dans le futur, ça veut dire qu'il y aura autre chose certainement pour moi. Et aussi, j'ai envie de faire de la place pour apprendre à investir, donc en crypto et puis d'autres choses. Je suis encore un peu débutante dans tout ça et je voudrais développer tout ça. Donc, mon souhait pour 2022, c'est de travailler moins et mieux. Très certainement de 11h à 15h tous les jours de la semaine avec mes clients, mes étudiants, mon équipe et tout ça. Ça veut dire 4 heures par jour, c'est pas énorme, mais le reste du temps, avoir de la place pour pouvoir créer, pour pouvoir avoir un bel équilibre en fait entre me nourrir et partager. Pour ça, j'ai besoin bien entendu de déléguer plus, en fait, de donner plus de choses à mon équipe, voire d'agrandir mon équipe. On verra ça en 2022 si c'est nécessaire. Je fais régulièrement des réajustements avec mes objectifs, avec comment j'ai envie de vivre au quotidien, pour pouvoir ne pas me brûler les ailes et pas forcément aller trop vite, mais y aller de façon vraiment incrémentale et apprendre de tout ce que je vis au quotidien. Je demande aussi beaucoup auprès des gens qui l'ont déjà fait avant moi. Je pense que je gagne beaucoup de temps parce que je me suis entourée de coachs qui sont toujours un niveau, deux niveaux, trois niveaux, 10 niveaux devant moi et qui ont déjà passé ces étapes-là. Et donc, ça me fait gagner du temps. Je leur pose les bonnes questions et après, je mets des choses en place, moi. Voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, en termes de vie perso, pour moi, j'aimerais aussi me créer des espaces un peu plus en solo. Avec Christian, avec le confinement, on a été hyper fusionnels parce que forcément, un confinement oblige et ça s'est très bien passé pour nous. On est très heureux comme ça, mais il y a certainement aussi une étape de défusion maintenant qu'on habite dans un nouveau pays qui est beaucoup plus libre. Moi et lui d'ailleurs, on aimerait tous les deux trouver moyen de se faire des escapades en solo, 2-3 jours par mois. Voilà, moi je vais dans un spa, lui va dans la forêt camper. C'est faire de la place pour se créer une vie où il y a aussi des respirations dans le couple, dans la vie perso et tout ça. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment mettre en place là dans les mois qui viennent. Et aussi
de la place pour voyager. J'aimerais aussi avoir plus de temps pour voyager. D'ailleurs, dans mon organisation annuelle, quand je prépare mon année, je prévois toujours des semaines où je ne travaille pas. Donc là, ce que j'ai partagé, c'est pour les semaines où je travaille. Mais il y a des semaines où je veux être dispo pour personne, notamment les semaines où je voyage, où je prends l'avion, etc. Il n'y a pas de rendez-vous. Je veux vraiment prendre le temps d'avoir le temps d'arriver dans un nouvel espace, de prendre mes marques et tout ça. Hyper important. L'année dernière, j'avais aussi fait un mois sans réseaux sociaux. Ça m'avait fait vachement de bien. Là, j'en ressens pas le besoin cette année. Je pense que j'ai peut-être aussi une relation plus saine avec les réseaux sociaux maintenant que j'ai enlevé les notifications et tout ça. J'avais gardé juste les newsletters quand j'avais fait ma pause. Je pense que là, je suis à l'équilibre et que j'ai pas besoin de ce mois sans réseaux sociaux, mais je serais heureuse de le refaire un peu plus tard. Voilà. Et puis sinon, en termes de vie perso... Je pense que le confinement m'a apporté aussi un recentrage sur moi. Avant, j'étais peut-être aussi plus sociable, plus dispersée, plus dans une forme d'extraversion qui me convenait à l'époque. Mais aujourd'hui, je sens que j'ai beaucoup plus envie d'être à l'intérieur, d'être à la maison, de faire mes trucs et d'être avec Christian. Je suis souvent invitée pour des choses en ligne ou en physique, même ici autour de là où on vit. J'ai pas toujours envie d'y aller, enfin, j'ai même pas souvent envie d'y aller. J'aime bien ma tranquillité, j'aime bien mon cocon, ma bulle. C'est, voilà, je trouve que c'est plutôt sain pour moi en ce moment, en tout cas. J'ai aussi beaucoup coupé avec les gens négatifs ou avec les gens qui se plaignent. Et aussi avec les gens qui pensent que le gouvernement dit la vérité. Et ça m'a fait du bien aussi. Je pense que ça a fait beaucoup de place, beaucoup de clarté pour moi. Et la clarté m'a apporté de l'efficacité. Donc ça m'a fait du bien aussi en termes de réalignement cette dernière année. Dans le futur, j'aimerais vraiment trouver localement des gens que j'aime et que, avec lesquels je vais être en harmonie. Je dirais peut-être... Je pourrais même utiliser les termes de famille galactique, famille d'âme. J'aimerais pouvoir rencontrer physiquement des gens qui font partie de ma famille d'âme et qu'on co-crée ensemble des espaces de vie au quotidien, qu'on partage un jardin, des choses comme ça. Ça me plairait beaucoup. Et ça ferait partie, je pense, d'un plus grand équilibre dans mon organisation quotidienne, d'avoir un soutien autour de moi. Voilà, j'ai partagé beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'était clair pour vous, si ça vous a aidé à mieux percevoir comment je vis, si ça vous a aidé à comprendre mon organisation et comment je fais pour être efficace et pour accoucher de nombreux projets par an. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager. Et si vous avez des questions complémentaires, et ben, je vous invite à me les poser sur les réseaux sociaux en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes. Belle journée! Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!